Alors. Alors voilà, ce que je vous explique, parce que là, Daniel est bien au gâteau, donc Laurent se fait un gâteau à la chantilly. Et dans quelques temps. Vous avez quoi comme gâteau? Deux secondes. Attends, il y en a un autre qui arrive. J'arrive. Merde, laisse-moi le temps. Et dans quelques temps, vous allez voir Daniel le prendre dans la gueule. Sonia, viens là. Ah, c'est prévu que votre mari prenne le gâteau dans la gueule. Oui, ça fait prévu. Bon, en plus, il est bien décalé. Ah ouais, bien. Comme je... J'ai même eu peur à mes fesses. Pourquoi est-ce que... Regardez-moi ça. Regardez. Ma femme qui adore la chantilly. Oui. Alors, mets-la. Oh mon Dieu, moi je... Oh. Bon ben me revoilà, je... C'est bon. Ma mère m'a mis du chocolat. Qui c'est qui t'a poulé du chocolat? L'amour. Qui c'est qui a mis du chocolat à qui? Moi, Daniel m'a mis du chocolat. Il t'a mis du chocolat. Oh, alors, Daniel, ça suffit, c'est pas grave. Mais c'est faut des assiettes. Faut des assiettes. J'ai là. Ah, c'est pas rigolé, là. Faut des assiettes. Arrête de la contenir. Retiens celui-là. Il est pas bon. Ah ouais, on va pouvoir tirer celui-là. Il est pas bon. C'est où l'appareil? Hein? Il est pas bon. Alors voilà, bah, comme je vous avais dit il y a deux minutes, Daniel vient de baptiser à la chantilly. Il y a un chantilly. C'est toute la soirée. Hop, moi je me suis aimé, excusez-moi. Et faut quand on va encore plein à manger. Hein. C'est quoi comme gâteau? Un gâteau fait quoi? Pousse-toi l'oreille. T'en as dedans. T'en as sur ton machin. Ah oui, t'en as plein. Ça fait un gâteau. Mais non. Non, mais non. Mais non, ça tombe pas, ma mère. Ça fait. Mais pas moi. C'est bon, hein? C'est tout, maman!